Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix. À toi j'ai la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, à toi j'ai la vie. Seigneur soit vraiment glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse richement et que sa présence il nous fasse encore du bien. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits, tes larmes qui traduisent mes silences. Ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma
vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Oh, que ce merveilleux nous sauva de pouvoir réaliser l'abondance grâce que tu nous as réellement témoigné, et aussi le désir en retour de notre cœur de pouvoir réellement te plaire en toutes choses, mon sauveur béni. Sois béni encore ce soir et glorifié, mon bien-aimé Père Saint, pour tout ce peuple qui t'appartient, tous les frères et sœurs que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir par ton amour et ta bonté, ta miséricorde perdue, qui sont dispersés à différents endroits et qui sont aussi en connexion encore aujourd'hui à cette heure-ci, Père Saint-Dieu. Merci parce que réellement là, tu nous accordes aussi ce privilège de pouvoir avoir la communion les uns aussi avec les autres, Père. Nous t'en sommes reconnaissants et nous te remercions vraiment du fin fond de notre cœur et pour tout ce que tu fais, comme nous l'avons aussi entendu aussi dans le psaume que notre âme bénit l'Éternel. C'est vrai, c'est avec raison que nous pouvons nous écrier comme cela aussi, bien-aimé Père Dieu. Vraiment, te remercier pour ton amour et ta bonté, vraiment ta grâce, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous ne cesserons jamais de te dire merci, Père Dieu, pour ce que tu as fait, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu. Hier, nous étions différents, mais aujourd'hui, nous sommes encore beaucoup plus davantage, Père Tout-Puissant Dieu, nous approchant réellement de toi et ta présence davantage, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour être transformé de jour en jour. C'est parce que tu as nous accordé cette grâce, mon bien-aimé Père Saint. Merci parce que tu as pourvu aussi les moyens pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel tu nous as aussi appelés. Merci pour chaque frère et chaque sœur, mon Dieu. Merci encore pour les pardons de nos péchés, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. La grâce va encore nous approcher de toi. Parce que tu es facile, mais n'a pas nos péchés, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour que nous puissions être ton peuple à toi que tu conduis comme tu le veux, Seigneur. Merci encore pour la guérison. Merci encore pour la délivrance. Merci aussi pour la paix dans le cœur, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu. Merci d'avoir ouvert nos yeux pour que nous puissions aussi voir, peut-être aussi la grâce, aussi l'assurance de notre cœur pour marcher avec assurance et montrer que nous avons donné Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce des cantiques que nous avons chanté pour oh Dieu, chaque frère et chaque soeur qui t'entend encore ce soir avec beaucoup d'amour aussi, de joie, mon bénémoine Père Tout-Puissant, parce que tu as aussi réjoui encore nos cœurs, mon bénémoine Père Dieu. Merci pour le souffle de vie. Tu es digne d'être aimé, adoré, Père. Louange et honneur à toi encore pour ton amour à notre endroit. Merci, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié et exalté. Qu'il vous bénisse tous là où vous êtes et qu'il puisse aussi vous accorder aussi la joie du cœur et la paix, afin que réellement nous puissions réaliser aussi l'abondance grâce que Dieu a déversée sur nous. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur encore pour ces moments bénis qu'il nous donne. Nous sommes de ceux-là qui devront aussi chaque jour de leur vie, de leur marche, remercier le Seigneur, notre Dieu, qui nous a accordé effectivement aussi ce privilège de pouvoir être un peuple qui lui conduit. Peut-être que par habitude et aussi par l'effet d'être aussi dans un milieu où nous ne faisons que voir effectivement ce que l'homme nous présente et surtout ce qui est simplement palpable et aussi qu'on peut toucher tangible aussi, nous voyons qu'effectivement, nous perdons de vue ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous, est-ce qu'il fait réellement dans la dimension dans laquelle lui, il nous transporte et qu'il est. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cette sagesse qu'il déploie et cet amour, effectivement, qu'il manifeste, effectivement, à l'endroit des hommes, comme David pouvait l'écrire en disant, mais
Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes donc garde donc à lui. Je le remercie vraiment parce qu'il s'est humilié et il, comme la Bible dit, il a pris la forme d'un serviteur pour que réellement il accomplisse ce don pour lequel il a été donc envoyé, afin de pouvoir sauver ceux qui étaient réellement aussi perdus. C'est pour ça qu'il a dit que je suis venu chercher les brebis perdues, effectivement. Nous étions de ceux-là, nombre comme aussi l'apôtre Paul pouvait réellement le dire, effectivement, nous étions du nombre de ceux-là, effectivement, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et c'est vrai, il nous témoigne effectivement aussi de sa bonté, de sa grâce, de ses compassions. Nous devons lui être reconnaissants pour cet amour qui ne cesse. C'est vrai qu'il est difficile parfois de pouvoir mesurer cet amour de notre Seigneur, et car il est vraiment profond. Et il est parfois, quand on peut l'observer dans sa façon de pouvoir faire les choses, on peut ne pas comprendre, on se dit, mais comment est-ce possible qu'un tel Dieu puisse arriver à pouvoir faire ce qu'il a fait ainsi? Parce qu'on peut se dire, mais puisqu'il est Dieu, il pouvait simplement, comme cela s'est passé, tout détruire et recommencer aussi, au lieu de pouvoir accepter, de pouvoir venir sur cette terre, être humilié, insulté, et puis même flagellé par l'humain qu'il a créé, effectivement, et qui accepte que des mottes de terre, effectivement, puissent arriver même à prendre des pierres pour le jeter dessus. On peut se poser cette question-là, c'est disant, mais il pouvait, oui, il a l'autorité, il a le pouvoir, effectivement, mais il fallait qu'il montre, effectivement, aussi sa nature, qu'il était, effectivement, aussi ce qu'il est, effectivement, pour que nous puissions réaliser qu'en fait, que c'est Dieu et plus que ce que on peut imaginer, effectivement, que ce n'est pas un Dieu qui dit et qui ne sait pas ce qu'il est en train de pouvoir dire. Lorsqu'il dit la chose, il sait très bien ce qu'il dit. Et il nous a donné aussi la capacité de pouvoir arriver à pouvoir agir effectivement comme lui, il attendait de nous. C'est pour ça qu'il vint donc dans cette forme-là. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, que nous avons lu, je pense, c'était dimanche, je voudrais que nous lisions à partir de verset, jusqu'au verset 10, je pense que c'est cela. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Ici, nous lisons que la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit ici, parce que nous savons que c'est lui que le Seigneur avait conduit comme cela, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. » Nous voulons te dire merci encore, mon bien-aimé Père Saint, comme nous pouvons le constater, tu aimes l'homme, tu donnes aussi les moyens par lesquels il doit arriver à pouvoir aussi atteindre effectivement le but pour lequel tu lui as donc aussi destiné, mon bien-aimé Père. Nous te remercions parce que tu as dit donc, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un privilège que nous avons de pouvoir être dans cet état-là où tu vois, tu nous parles encore davantage, mon roi. Tu ne nous as pas laissé dans le ténèbre, mon bien-aimé Père Saint. Tu l'as dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous le voyons aussi, mon bien-aimé Père, tu vis chaque jour, tu nous éclaires et tu nous conduis, tu nous parles, Père. Touche nos cœurs enfin que nous puissions être malléables partout, mon bien-aimé Père Dieu, pour que ce que nous entendons, que nous recevons, puisse pas être simplement des lettres qui entrent dans les oreilles, qui soient Père du Bissant, mais que nous puissions entendre ta parole à toi, qui rentre dans notre cœur et qui, Père du Bissant, oh Dieu, prend place et aussi transforme notre vie. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous souvenons effectivement de la manière dont cet homme de Dieu a eu à pouvoir aussi exprimer ce qu'il a exprimé en montrant d'abord ce que le Seigneur lui a donné effectivement comme autorité sur en rapport avec effectivement aussi le peuple qui et sur lequel il a aussi établi effectivement en clarifiant effectivement aussi sa mission et ce que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi lui confier. Et il a déclaré. Et c'est là aussi, nous comprenons effectivement que dans la plupart effectivement des épîtres, il en revient souvent, il en parle, et ça c'est tellement très touchant. Je pense que dans le livre de Thessaloniciens, je suppose, premier ou deuxième, je pense que c'est là, on doit prendre un Thessaloniciens, il en revient, il se réfère aussi à cela pour montrer, je pense que c'est cela, oui, c'est cela, je pense que c'est... Voilà, c'est un Thessaloniciens, donc... Épître aux Thessaloniciens, effectivement, je pense, au verset, pas je pense, mais ce chapitre 1 et le verset 1, 2, je pense, on ne peut pas lire. Donc, je pense que c'est cela. Ça, nous l'avons lu, je pense que c'est cela, oui. Mais je suppose, un instant, je pense que je crois que c'est une autre événement aussi que. Je pense que c'est ici. Ah, attendez, je pense que c'est du détresse là. Mais je pense que c'est.
Non, attendez un instant, je pense que je dois d'abord trouver cela. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je suis... Thessaloniciens, pardon, je pense que... Et c'est là qu'il nous répète, effectivement, je suppose que c'est cela que c'est Thessaloniciens, mais nous l'avons déjà eu à pouvoir le lire ici, où il rappelle effectivement aussi la manière dont le Seigneur l'a conduit à pouvoir aller apporter effectivement cet évangile là où il était parti. Et c'est là où il fait part effectivement que... Nous n'avons pas eu à pouvoir penser à autre chose que de pouvoir également aussi vous apporter l'évangile tant bien dans des conditions les plus difficiles. Je suppose que c'est cela. Et puis, il dit effectivement que quel privilège qu'ils aient eu effectivement de pouvoir voir que ce peuple recevait l'évangile effectivement, non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, comme elle est réellement, comme le Seigneur a eu à pouvoir donner. Mais je suppose que ça doit être mais ce n'est rien, nous pouvons peut-être les lire par après. Donc, il faisait référence effectivement que le Seigneur, notre Dieu, nous a jugés dignes de nous confier effectivement l'évangile. Et nous en parlons non pas pour plaire aux hommes, effectivement, ou quoi que ce soit, mais nous en parlons selon ce que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions plaire à notre Dieu, ainsi de suite. Donc, il réalisait effectivement, il démontrait la grâce et l'importance de ce que le Seigneur leur avait confié, cette responsabilité de pouvoir apporter l'évangile de notre Seigneur. Je crois que vous vous souvenez effectivement de cela, mais nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir les lire effectivement. Donc il réalisait effectivement cette responsabilité qu'il a de pouvoir continuer à pouvoir parler du Seigneur et surtout s'adresser au peuple de Dieu comme ici dans Corinthiens, comme il est dit. Mais voilà qu'ici au verset 10, nous l'avons déjà entendu à la première partie, ça dit, je vous exhorte donc, c'est-à-dire que exhortant effectivement ceux auxquels il a eu cette responsabilité de pouvoir apporter effectivement aussi l'évangile et qui ont eu à pouvoir réellement aussi recevoir cet évangile avec beaucoup de reconnaissance, comme cela est écrit dans les Actes chapitre 2 où la parole de Dieu après que Pierre ait apporté la parole effectivement à ceux qui étaient là. La Bible dit que mais ceux qui reçurent effectivement avec joie des bons cœurs sa parole furent donc baptisés. Donc, c'est la condition dans laquelle on reçoit la parole de Dieu, on l'accepte effectivement, qui produit en fait réellement ces dons pour lesquels Dieu l'a eu à pouvoir l'envoyer. Donc, c'est aussi la condition dans laquelle nous tenons quand la parole de Dieu nous est donc apportée. C'est à ce moment-là que le changement que la parole de Dieu apporte effectivement peut avoir donc lieu. Mais quand effectivement, à l'intérieur, il y a encore effectivement des parcelles où, quelque part, Dieu ne peut pas avoir accès, Dieu ne peut pas transformer. Comme on le sait que le Seigneur, notre Dieu, n'oblige personne, c'est comme nous entendons que la semence tombe sur les épines et sur cela, effectivement. Il faut que nous puissions arriver à pouvoir donner au Seigneur la part qui lui revient pour qu'il se sente dans la liberté de pouvoir réellement aussi agir et transformer. Nous l'avons souvent répété ici, ce chapitre 13 de Matthieu, ce que la même parole qui tombait sur les pierres épines, c'était la même parole qui tombait aussi sur la terre, la bonne terre, effectivement. Elle avait la même puissance, la même autorité, mais sur les épines, elle n'a pas pu arriver à pouvoir réellement aussi manifester ces dons pour lesquels elle était. Mais pourtant, elle avait toute la qualité. C'est pas que Dieu ne voulait pas, mais c'était en fait la personne qui étouffait cela. Donc, ce qui veut dire que par les soucis de tous les jours, effectivement, ainsi de suite. Donc, la parole de Dieu a été rendue donc infructueuse, mais elle a la puissance de pouvoir agir lorsque on la met dans de bonnes conditions et qu'on l'accepte. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Ça, c'est quelque chose de très important aussi, auquel, effectivement, que le Seigneur, lui, s'adresse. Et cela a toujours été les désirs, effectivement, du Seigneur. Et puis là, il ajoute, effectivement, la plus bas, effectivement, en parlant, il dit, à ne point avoir des divisions parmi vous. Ce que le Seigneur veut, effectivement. Tu peux approcher, mon frère. À ne point avoir des divisions parmi vous. Ce que le Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon précieux frère. Ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que nous soyons divisés, effectivement. Divisés, ça dit, effectivement, que, je pense que l'apôtre Paul l'exprime encore beaucoup mieux, enfin, lui-même, en même temps, dans les autres, écrits, effectivement, et je pense à l'épître de Paul aux Philippiens, où cela aussi, il fait référence à ce qui vient d'être dit ici, où il parle effectivement d'avoir un même langage, et puis qu'il n'y ait pas de division, effectivement, parmi vous. Mais qu'est-ce que l'Écriture entend par que nous puissions avoir le même langage, effectivement, qu'il n'y ait pas de division? Je pense que sur les Thessaloniciens, il est dit, effectivement, hein, et alors ici, il dit, c'est Philippiens, je pense. Philippiens au chapitre, je suppose que c'est cela, chapitre 2 de Philippiens.
au chapitre 2, il dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, et s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. » C'est la manière dont il exprime les choses, effectivement, pour montrer au peuple de Dieu l'importance de ce qui lui est demandé, et surtout aussi la nécessité, parce que c'est ce que Dieu veut, en fait, que cela soit réellement aussi dans le cœur de tout le croyant, c'est-à-dire que tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur. Parce que, nous allons le voir un peu plus loin aussi, comme il en a exprimé cela, c'est quand même important. Il dit, mais s'il y a donc quelques miséricordes, effectivement, aussi, comme dans quelques compassions, et puis il dit, verset 2, il dit, mais rendez donc ma joie parfaite, ayant un même sentiment. C'est merveilleux cela. Ce désir de ce que le peuple de Dieu puisse avoir le même sentiment. C'est-à-dire qu'on dit, oh, mais c'est impossible. Non, c'est pas impossible. C'est possible puisque la Bible le dit et la Bible l'a même aussi rendu aussi possible. Donc, il dit, mais qu'il puisse réellement, que nous puissions avoir un même sentiment. Et puis, il continue en disant, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors, il a parlé effectivement qu'en rapport avec les divisions, ça veut dire quoi? Il dit, mais ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, nous regardons effectivement que lorsque nous arrivons à pouvoir avoir cette considération les uns envers... Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, effectivement, parmi le peuple de Dieu, en réalité, c'est que il y a cette lutte, effectivement, d'influence, ici, cela. En réalité, effectivement, chacun veut réellement être vu comme cela. Ce que Dieu veut, effectivement, ce que nous puissions arriver à pouvoir comprendre que mon frère et ma sœur, effectivement, et moi-même, nous sommes, effectivement, au même niveau. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Et cela, pour que nous puissions le comprendre, effectivement, que cet homme le montre encore beaucoup mieux dans le livre, effectivement, des Éphésiens, pour que nous comprenions, effectivement, même sentiment, même cœur, effectivement aussi, et même amour, effectivement aussi. Et cela est possible parce que il nous dit une chose, effectivement, dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens au chapitre 4, il nous dit ceci, l'apôtre Paul, toujours le même, il nous dit ceci, Éphésiens 4, et le verset 1, il nous dit, je vous exhorte donc la même manière de pouvoir exprimer effectivement les choses dans les livres de Corinthiens, ici, il nous revient encore en nous disant que je vous exhorte donc, vous connaissez effectivement comment il s'exprimait par rapport aux Éphésiens, la manière dont il leur a montré qu'ils étaient aux yeux du Seigneur, effectivement, comme nous l'avons lu effectivement aussi là-bas. Il dit, mais vous êtes donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée. La vocation donc, c'est l'appel que le Seigneur vous a été donc adressé dans un temps comme celui-ci, aussi comme vous le savez, ce que réellement que chacun de nous a eu à pouvoir réaliser que le Seigneur s'est adressé à nous, à moi. Donc s'il s'est adressé à toi, c'est qu'effectivement, tu sais pourquoi il t'a appelé dans une génération comme celui-ci. Donc s'il s'est aussi adressé aussi à ta sœur ou à ton frère qui est à côté, parce que si tu l'as fait ton frère et ta sœur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'est passé qui a fait que vous vous trouvez en communion, en fait, vous ensemble, effectivement, parce qu'il y a un acte qui a été posé. Donc le même appel que tu as eu à pouvoir recevoir, c'est aussi le même appel, effectivement, parce qu'il y avait une teneur à cet appel. Pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé, effectivement, Seigneur t'a appelé? Ce que aussi l'autre aussi, il doit se poser, mais pourquoi le Seigneur m'a appelé aussi? S'il nous a appelés, c'est pour un but bien précis. Dans Matthieu chapitre 25, effectivement, nous comprenons qu'effectivement, il y avait eu des vierges sages et des vierges folles. Mais en fait, il partait pour aller où? Ce que il y avait un cri, un appel, effectivement, c'était qu'il devait aller à la rencontre de l'époux. Et nous croyons aussi que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir être parmi les vierges sages, évidemment aussi, qui ont réalisé effectivement que nous sommes appelés parce que nous voulons aller à la rencontre. C'est pas que nous avons, chacun de nous, nos objectifs, effectivement, avoir atteint. Non, nous avons été appelés pour un seul objectif.
Donc tout un chacun de nous. Donc c'est lui qui a eu à pouvoir dire que j'ai entendu aussi les seigneurs m'appeler. Effectivement, c'est qu'on se retrouvait parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. On s'est rendu compte que nous avons la même façon de voir effectivement les choses. Parce que c'est à cela que le Seigneur conduit. Et ce qui s'est passé aussi, effectivement, aussi le jour de Pentecôte, en réalité aussi. Ce qui veut dire qu'ils ont tous entendu la même parole, effectivement, et que leur cœur a été vivement touché, effectivement. Et puis bon, la même semence est tombée, effectivement, et elle a produit, effectivement, la même chose dans le cœur de tout un chacun. Ça, c'est l'objectif, effectivement, du Seigneur. Alors, il dit, à marcher d'une manière, donc, de la vocation qui vous a été, donc, adressée. On doit d'abord savoir, effectivement, pourquoi il nous a appelés et à quoi, effectivement, Dieu nous a appelés. Quel est le but même de notre appel et qu'est-ce que Dieu attend, effectivement, de nous. Donc, chacun de nous est responsable, effectivement, de pouvoir être devant la présence du Seigneur, se poser la question, pour savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi, où veut-il, effectivement, que je puisse aller. Quel est, donc, l'objectif du Seigneur de l'appel qu'il m'a adressé, effectivement. Donc, chacun de nous doit arriver à pouvoir se poser cette question. C'est ainsi qu'on comprendra qu'effectivement que lorsque nous avons compris pourquoi, moi j'ai compris, et mon frère a compris effectivement la raison de l'appel du Seigneur effectivement à son endroit et à mon endroit, nous n'aurons jamais de conflit effectivement. Alors à ce moment-là, nous ne chercherons pas notre intérêt propre effectivement, nous chercherons chacun de nous l'intérêt aussi des autres, nous penserons à l'intérêt aussi des autres effectivement. C'est comme ça qu'on peut voir que quand cette parole de Dieu entre dans le cœur, il nous rend conscient de ce que nous sommes, tout un chacun effectivement aussi. Alors nous posons les actes effectivement, mais d'amour en réalité, dans des bénédictions pour les uns comme les autres effectivement. C'est que nous pensons au bien de celui-ci, celui-là pense aussi à mon bien aussi. Donc c'est parce que quelque chose s'est passé. Alors il continue ici en disant, en toute humilité, donc de marcher effectivement, donc dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Quand on a l'amour, effectivement, c'est sûr et certain qu'en réalité, quelque chose se passe toujours. Et c'est pour ça que nous réalisons comment est-ce que les saintes écritures nous témoignent dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 22, que nous lisons si souvent, effectivement. Il dit que nous sommes appelés à pouvoir nous aimer ardemment parce que nous avons été régénérés, non par une semence incorruptible, mais bien par une semence, incorruptible. C'est-à-dire que cette semence incorruptible, effectivement, qui est donc, la Bible dit qu'on a donc la parole divine de Dieu, effectivement, comme nous l'entendons, donc, selon ce que les saintes écritures nous le témoignent. Donc, lorsque nous avons donc reçu, donc, tous ensemble, effectivement, la même semence qui est donc la parole de Dieu, et nous avons expérimenté tous ensemble, effectivement, évidemment, la nouvelle naissance, il est. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons réaliser que dans nos cœurs, quelque chose a pu donc prendre place et la manière dont nous regardons les uns comme les autres, c'est devenu tout à fait différent parce que une chose vraie a pu prendre place dans notre cœur. Alors, il exprime encore clairement, effectivement, un peu plus loin, il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et puis verset 3 dit, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure, merci beaucoup mon précieux frère Zachée pour l'écriture, on dira cela. Le verset 10, il dit, je redis encore, je vous exhorte donc frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Nous l'avons dit, nous l'avons vu effectivement aussi dans Philippiens, il a dit, mais qu'il n'y ait pas un esprit de parti parmi vous. Mais que vous puissiez être unis, petit dit, et à dire le même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ce que nous avons lu aussi, effectivement, dans Philippiens, où il nous parle, effectivement, ici, en nous montrant réellement les désirs du cœur, effectivement, combien cette soif, mais si donc il y a quelques consolations, Philippiens 2, en Christ, s'il y a donc quelques soulagement dans l'amour, dans la charité, chez vous, je pense. S'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez-moi déjà parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, effectivement, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vain gloire, mais que l'humilité vous fasse aider les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
ayez en vous le sentiment qui était donc en Jésus-Christ. Donc, si moi, j'ai en moi le sentiment qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est cela que nous sommes appelés à pouvoir y être, puisque les Saintes Écritures nous montrent effectivement que comme l'apôtre Paul dit, mais Christ en nous, l'espérance de la gloire, et puis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on le reçoit, effectivement, il rentre dans la vie de quelqu'un. Alors si aussi mon frère a aussi le sentiment qui était donc en Christ, effectivement. Et puis, on nous montre effectivement quels étaient donc les sentiments qui étaient donc en Christ. D'abord, la compassion, la miséricorde, effectivement, et à les supporter, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Mais ici, dans Philippiens aussi, il ajoute plus loin en nous disant, regardez très bien, je pense que c'est cela. Philippiens, chapitre 2, et qu'on continue, il dit, verset 5, il dit donc, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, il dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé. Je pense que c'est mieux que je dise dans votre, effectivement, aussi, parce que bon, c'est chez moi, ici, c'est toujours un peu des expressions qui sont un peu différentes dans cela. Bon. Et voilà, donc, Ephésiens, donc, Philippiens, pardon, chapitre 2, et voilà, nous disons, verset 5, donc. Et en vous, le sentiment qui était donc en Jésus-Christ, il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la même situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Donc là, on nous montre qu'effectivement, là, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas une pensée d'orgueil, de dire, mais je veux être comme Dieu, je veux arriver à pouvoir être, je veux être plus que mon frère. Non. C'est-à-dire que, on revient à ce sentiment d'humilité, en fait. C'est-à-dire, mais, que chacun regarde son prochain comme étant au-dessus de lui-même. Là, nous avons revêtu ce sentiment d'humilité. Mon frère est, il est humble, ma soeur, il est humble, effectivement. Nous n'avons pas de guerre à ce moment-là. On a la considération, effectivement, des uns des autres, effectivement. C'est important, mon frère et ma sœur, parce que nous devons réaliser que nous ne sommes pas comme tous les autres. Les autres ont la religion, mais nous avons la parole de Dieu. Celle qui a la puissance de transformation, elle fait son travail aussi en toi. C'est pour ça que Dieu a eu à pouvoir vraiment nous accorder la grâce, un ministère de restauration pour que la parole nous soit apportée dans sa pureté totale, qu'elle ait la puissance de pouvoir agir dans le cœur de celui qui entend et qui croit. Donc, c'est absolument important pour nous de pouvoir réaliser la grâce que Dieu nous accorde parce que ce que Dieu désire, parce que vous réalisez qu'effectivement que là, nous, il nous est donc parlé, en réalité, en rapport avec l'épouse, comme l'écriture le fait savoir, effectivement aussi, c'est celui que nous attendons, c'est notre époux, et nous tendons donc à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, à ce que nous puissions atteindre donc la perfection. Et nous voyons que s'il s'agit de l'épouse, effectivement, eh ben, elle doit avoir en réalité ses caractéristiques, effectivement, en elle, puisque quand le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi manifester cette épouse, effectivement, lors de la jour de Pentecôte, effectivement, chacun d'eux a eu à pouvoir réellement voir, nous avons remarqué qu'effectivement, qu'il y avait vraiment dans la marche, même dans la nature des gens, des êtres humains qui ne se connaissaient pas, qui étaient un peu chacun distant l'un de l'autre, effectivement, mais lorsqu'ils ont pu recevoir, effectivement, la même parole, effectivement, mais surtout, le plus important, c'est que nous puissions comprendre qu'il faut que le problème, c'est le cœur. Notre cœur est devenu tellement dur à cause aussi des habitudes, effectivement, où on est habitué maintenant. Alors, on trouve que c'est comme si Dieu était devenu un copain, et puis c'est comme ça qu'on passe à côté même des grandes choses que Dieu peut faire dans notre vie, parce qu'on a perdu de vue effectivement qu'il demeure Dieu dans sa divinité, que nous sommes des humains, que nous avons besoin de pouvoir nous approcher de lui avec crainte et simplicité de cœur et surtout avec foi effectivement aussi. Ces hommes-là, les jours de Pentecôte en réalité aussi, qui étaient aussi comme tout le monde effectivement, mais la Bible dit que lorsqu'ils eurent entendu donc cette parole qu'effectivement que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir apporter, leur cœur fut vraiment touché. C'est ce que Dieu cherche toujours. Que le cœur. On l'entend souvent, mais on ne réalise pas effectivement aussi, parce que il a eu à pouvoir dire effectivement que je répandrai sous vous une eau pure. C'est la parole de Dieu. Et je donnerai de votre cœur le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur nouveau. C'est ce cœur-là que nous devons avoir, mon frère. Ce cœur qui
lorsqu'il entend la parole de Dieu, il ne discute rien, il ne se bat pas, mais et simplement il accepte effectivement cette parole pour qu'elle puisse faire son travail. Et comme ça que la Bible dit que leur cœur était vraiment touché, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont senti effectivement que nous sommes donc convaincus par la parole et nous nous sentons donc concernés par cela. Que ferons-nous donc, aux frères, que ferons-nous? Et c'est comme cela qu'effectivement que Pierre leur a montré. Ils n'ont pas discuté, ils disaient, mais oui, mais pourquoi Dieu nous dit comme ça? Non, ils n'ont pas discuté comme les pharisiens discutaient tout le temps, quand les élites ont discuté tout le temps. Mais là, ce jour-là, effectivement, que leur cœur était tellement disposé, il n'y a pas eu de discussion. C'est quand la parole de Dieu est prêchée que vous l'entendez, commencez à pouvoir avoir des discussions. Oui, pourquoi il dit ça? Pourquoi ceci et cela? Vous pouvez voir, mon frère, ma soeur, vous sortirez toujours aussi sec comme un canard qui sort de l'eau. Évidemment, c'est que il n'y a rien qui va se passer parce que la discussion avec la parole que vous entendez ne pourra. Et ça, c'est la tactique en fait de Satan aussi. Il ne pourra jamais vous apporter effectivement le changement. Non, parce que ça sera simplement dans le mental. Vous bloquez la parole ici parce que vous d'abord commencez à pouvoir la réfléchir. Mais ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas pensé à cela, discuter la parole. Non, ils ont entendu et ils ont. Il dit, mais oh homme frère, que ferons-nous? Il dit, nous attendons. Dis-nous ce que nous devons faire, effectivement. Il dit, mais répentez-vous. Il n'a pas dit, mais pourquoi je dois me repentir, effectivement? Vous avez remarqué la différence avec ces deux Jean chapitre 8, quand on a dit, mais si vous demeurez, considérez la réponse, effectivement. La parole de Dieu n'a jamais rien fait pour eux. Et pourtant, ça ne sortait pas des frères des fessiers. Non, non, non. Ça sortait de la bouche du Seigneur lui-même. Ils étaient là, il était là avec eux, leur parlant, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La discussion a commencé. C'est pour ça qu'il a dit une parole, effectivement, quelque part, en disant, mais, oh, Jean chapitre 8, rapidement, et puis nous revenons ici, pour que nous puissions rentrer vite aussi. Jean chapitre 8, regardez très bien que nous comprenions ce genre de choses. Il dit, Jean chapitre 8, il dit, le verset, voilà, verset 42 dit, Jésus leur répondit, leur dit, si Dieu était votre Père, mais vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et puis, verset 33, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et pourtant, il leur parlait aussi clairement, ainsi de suite. Et puis, il répond aussi, il dit, mais parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Bien sûr. C'est sûr et certain. Et pourtant, parce que ça a commencé la discussion, Évidemment, et la parole qu'il leur a dit, bien qu'il leur disait vraiment la vérité, effectivement, ne pouvait pas avoir d'effet sur eux. Mais là, le jour de Pentecôte, effectivement, c'est ces hommes qui étaient là aussi, effectivement, qui ont entendu ce que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir déclarer, montrant effectivement la souveraineté de son Jésus-Christ, effectivement, ils ont été touchés. Et puis quand ils ont posé la question, Pierre leur a dit, oh, et puis on dit, mais ceux qui reçurent toujours de bon cœur, la parole de Dieu est toujours vraie. Toujours le cœur, effectivement, la disposition. Parce que mon frère et ma soeur, Dieu est capable de produire, effectivement, ce qui est dans les Écritures, le même sentiment de désir dans nos cœurs. Donc, ce que la Bible dit, c'est qu'il y a un même sentiment. C'est possible. Parce que la Bible le dit, et nous avons la capacité de cela. C'est sûr et certain. C'est pas à des arbres que la parole de Dieu s'adresse, c'est à des hommes. Donc Dieu a donné la capacité de pouvoir avoir ce que Dieu leur a eu à pouvoir leur donner. Parce qu'on voit qu'effectivement, que ces jours-là de Pentecôte, ceux qui reçurent des bons cœurs, pas des réfléchissants, tout est-ce que, non, des bons cœurs, sa parole, furent baptisés. Et vous connaissez la suite, effectivement. Et on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction de pain, et vous connaissez aussi dans 4:32, il dit, tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur, et une même âme. Donc c'est possible, puisque les frères qui nous ont précédés nous ont montré que ce que Dieu avait dit est vrai. Et si nous sommes de l'Église, effectivement, que nous appartenons, nous sommes l'épouse, effectivement, aussi, ces mêmes sentiments, ces mêmes actions, effectivement, doivent se reproduire, effectivement, dans chacun de nous. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, c'est que ceux qui nous ont possédés ont eu à pouvoir manifester, et nous encore, c'est encore en plus grande dimension, encore davantage, parce que nous attendons la pluie de la raison. Enfin bon, bref. Donc, nous comprenons que ces choses nous sont nécessaires. C'est pour ça qu'il faut qu'on abandonne des luttes et des combats contre ceci, contre cela, effectivement, mais que nous revenions à la pensée exacte de notre Dieu, à notre sujet. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous?
C'est pour ça que Éphésiens 4, effectivement, en continuant la lecture, il nous dit une chose, effectivement, ici, nous dit, bon, pardon, je reviens dans votre version ici. Donc, Éphésiens, au chapitre 4, il dit, verset 19, en toute humilité, effectivement, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, donc, c'est vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ça, c'est vraiment important, mon frère et ma sœur. Chacun de nous, parce que si on vient, on sait qu'on se retrouve à un endroit, on doit arriver à pouvoir tous se mettre dans des conditions telles que nous puissions nous retrouver toujours ayant ce même sentiment dans la peur, nous exhortant pour cela. Pas que chacun, où je viens, dit, vous savez qu'on ne croit pas que les tonnerres sont révélés. Vous dites, ah, mais vous avez entendu un peu, mais on nous a parlé un peu. Vous essayez de pouvoir forcer les gens à croire les tonnerres, les saletés à gauche et à droite. Ça, c'est la division qu'on apporte parmi le peuple de Dieu. Nous n'avons pas besoin de tonnerres, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole qui me pousse à pouvoir aimer mon frère, à aimer ma soeur, à supporter mon frère, à supporter ma soeur. Oui! Entre nous, on se soutient, on se... Je ne vais pas être là à parler que le frère m'a fait. Il dit non, je vais être... Le frère, il y a eu un problème, mais c'est mon frère, c'est ma soeur. Nous voulons aller de l'avant. Nous exhortons à garder l'unité dans ce temps. Et c'est là ce que le Seigneur, notre Dieu, veut, en fait. Et si quelqu'un vient parmi nous, que nous voyons qu'il a un esprit qui n'est pas bon et qui raconte des choses à gauche et à droite, on ne va pas les détester. Non. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que nous voulons conserver l'unité, effectivement. S'il parle du mal de mon frère, c'est pas de ma soeur, effectivement. Je dois être dans une position telle que moi, je dois toujours rendre un témoignage bon de mon frère. Parce que oui, c'est toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui s'infiltrera, qui va commencer à pouvoir critiquer tout le monde. Et puis, parce que ça, c'est le poison, en fait, qui vient. Et puis chacun, surtout quand nous voyons quelqu'un comme ça, n'ayez pas de la haine ou le mépris, simplement bouchez vos oreilles dans ce qui va vous sortir dans sa bouche parce que ça souille. Ah oui, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est sûr, c'est vrai. Ça souille, effectivement. Donc je bouche mes oreilles contre cela, effectivement. Mais je lui parle, effectivement, de la parole pour ramener la personne. Si la personne a été donc séduite par l'ennemi, si elle est de Dieu, elle revient. Parce que nous allons entourer aussi, parce que nous, quand il vient parmi nous, il va tout de trouver l'amour, mon frère Christian, mon frère, nous aimons, tout le monde. Donc, quand nous parlons avec sentiment d'amour, que les gens comprennent que nous aimons et nous croyons que quand je dis que c'est mon frère, c'est le mien. Si quelqu'un vient ici et qu'il voit qu'effectivement que tu appelles Jonas ton frère, mais il voit que tu es à côté et tu parles du mal, tu es hypocrite en fait, mais il va saisir l'hypocrite. C'est comme ça que les troubles commencent à voir rentrer. C'est comme ça que, toujours, il faut qu'on soit tellement unis que quand quelqu'un vient, s'il est de Dieu, il rentre. S'il n'est pas de Dieu, il va fuir. Nous, on ne va pas le chasser, mais lui-même. Parce qu'il ne va pas trouver sa place. Il va essayer de pouvoir voir le docteur, parce qu'il veut, il va un peu sonder le docteur, effectivement, pour voir s'il peut être dans son parti. C'est toujours comme ça. Vous savez, les gens qui ont de mauvais esprits, c'est comme cela, en fait. Ils apportent les mauvais esprits des partis. Alors, il va un peu sonder, un peu dire, docteur, il dit, bon, docteur, je vais me mettre un peu confiant entre docteur et Gislain. Docteur, tu vois, celui-là, toi, tu es vraiment un véritable. Lui, quand il fait ça, et puis, il dit, mais tu vois, moi, je comprends tout ça. Et quand docteur voit ça, si docteur, il est faible dans la voix, il va dire, oui, c'est vrai. Quand il dit ça, c'est vrai. Le diable a eu à pouvoir s'aimer son livre. Mais si le docteur sait que je suis en dessous, et je sais qu'effectivement que ça c'est la tactique de l'ennemi, effectivement, qu'est-ce que tu veux? Tu parles de qui? Ah non. Dans notre travail, ce que nous faisons, nous sommes complémentaires. Moi j'ai fait ça, et mon frère ici a fait ça, mon frère tel a fait ça, mon frère m'a fait ça. Donc ça veut dire que si lui n'est pas là, je me sens un peu dans la difficulté. J'ai besoin de lui, nous avons tous besoin les uns de parce qu'ensemble, nous formons une équipe. Et il va fuir. Parce qu'il faut savoir comment reprendre. Pas dans la colère ou dans la haine, il dit, moi, je ne vais plus te voir, effectivement. Non. Simplement dans cet amour du Seigneur. Parce que c'est la puissance que nous avons, nous, c'est l'amour. Et oui, c'est important, mon frère et ma soeur. Vous remarquerez très bien que ce que le diable cherchera toujours
pour qu'il puisse avoir la victoire sur les enfants de Dieu, c'est de s'aimer la haine. Quand il sème la haine et les soupçons, c'est terminé. Ah, il va s'accaparer, effectivement. Mais bien sûr, c'est comme ça que la division vient. Mais quand nous avons l'amour les uns les autres, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Eh oui, c'est sûr et certain. Le Seigneur avait dit, aimez-vous, c'est vrai, ardemment les uns et les autres. Si vous vous aimez les uns, vous êtes vraiment mes amis. C'est vrai, ce que le Seigneur a dit. Il a dit, en ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et si nous avons cet amour les uns pour les autres, alors c'est sûr et certain qu'il y a l'unité du Seigneur, effectivement, parmi le peuple du Seigneur, et que nous recevons effectivement aussi avec le même sentiment de Dieu, la parole de Dieu, elle va produire exactement la même chose, parce que c'est pour ça qu'il nous dit une chose merveilleuse, il dit, mais pourquoi vous efforcez à conserver l'unité de l'esprit? Elle est très bien, vite nous retournons là-dedans. C'est parce que je cours vite pour ne pas rester longtemps avec les temps que nous avons. Alors il dit, mais pourquoi vous efforcez de conserver, verset 3, de Éphésiens 4. Vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit donc, vous voyez bien l'esprit, par les liens de la paix. Hein, c'est pas de son trouver. Pourquoi? Parce que il y a un seul corps. Oui, mon frère et ma soeur. Nous sommes appelés, effectivement, à pouvoir faire partie, mon frère, ma soeur et moi-même, faire partie de ce corps-là. Le seul, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul corps pour lequel on a appelé, mais un seul corps, et puis un seul esprit. Donc le même esprit qui est dans mon frère, qui est dans mon frère Daouda, qui est dans mon frère, qui est dans mon frère, c'est le même esprit. Donc il nous amène tous, pas des confusions, mais dans l'unité, frère. Nous sommes, c'est Dieu m'avait dit, mais abrévés par un seul esprit, donc le seul, le même esprit, tous ensemble. Alors frère, je ne vois pas là où on va commencer à se battre. Parce que nous sommes animés par le même esprit qui m'anime, c'est même qui a émis mon frère et ma soeur, parce que nous avons été amenés à pouvoir être dans un même lieu. Parce qu'il y a un seul corps, évidemment, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Donc chacun de nous, donc mon frère et ma soeur, moi-même ici, on a été appelés pour un seul objectif, tous ensemble. Ah oui. Allez chez nous. Allez chez nous. Dans notre lieu. Que Dieu nous aide. Nous soutienne, parce que nous puissions comprendre que le frère que Dieu m'a donné, ou la soeur que moi Dieu m'a donné, ce n'est pas mon adversaire. C'est mon frère. Il peut avoir des faiblesses, mais il restera toujours mon frère. J'essaierai là aussi, même dans mes faiblesses, de pouvoir lui donner la main pour le soutenir aussi, pour que nous marchions ensemble. C'est ça ta récompense. Ah, vous savez cela, non? Ah oui, parce que si ton frère est allé dans le plus bas, que toi aussi tu le ramènes un peu plus haut, plus haut, plus haut, eh bien, Dieu pardonnera si tu es petit. Vous savez cela, non? Dieu, ah oui, c'est une récompense que tu as ramené quelqu'un à la vie. Donc, moi, je ne peux pas, nous ne sommes pas appelés à pouvoir, vous savez, combattre mon frère, combattre ma soeur. En fait, nous collaborons avec des démons. Parce que l'objectif de Satan, c'est quoi? C'est de détruire mon frère. Mon frère, celui qui aime la parole de Dieu, effectivement, il va les détruire. Alors moi, je ne suis pas appelé à pouvoir détruire mon frère. Je ne combats pas avec les démons. Moi, je collabore pas avec les démons, mais moi, je combats les démons. Donc, c'est pour cela que nous devons comprendre, mais nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la... Il nous a dit que la paix soit avec vous. C'est pour ça qu'il dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut que nous puissions arriver à cela, effectivement, aussi. C'est cela que nous amène aussi à la maîtrise de soi. Alors, nous continuons, il dit. Donc, il dit, parce que, vous avez été appelés donc à une seule espérance, par qui? Par vous. Oh, pardon, je suis dans le... Il y a un seul corps et aussi un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voilà. Et puis il dit, mais il y a un seul Seigneur. C'est le Seigneur que nous invoquons tous. Oui, mon frère, il n'invoque pas un autre Dieu, parce que nous avons reçu le même évangile. C'est pour ça que c'est important, comme l'avons entendu la fois passée, n'allez pas écouter à gauche et à droite. Je vais dire ça au peuple de Dieu, parce que chacun de vous est libre d'aller où il veut. Mais je parle seulement au peuple de Dieu, comme l'Écriture, le Seigneur nous demande, va parler aux enfants de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de pouvoir aller éteindre l'oreille à gauche. C'est là que proviennent les troubles, parce que tu vas entendre, ici on dit X, on dit Y, effectivement, on dit Z, effectivement. Et puis tu dis, mais dans quoi, c'est que, où est la vérité? Il n'y a qu'une seule vérité.
C'est cela que Dieu nous a donc appelés à pouvoir prêcher. Parce que prêcher, prêcher quoi? Mais la vérité. Sanctifiez par ta vérité. Prêcher la parole. Ta parole est la vérité. C'est à cela que nous sommes censés pouvoir comprendre effectivement que nous devons nous attacher à cela, effectivement, parce que c'est la vérité qui va me sanctifier. Sanctifiez pas ta vérité. Pas l'erreur, pas le mensonge, pas les interprétations. Mais c'est la vérité qui me conduira toujours, effectivement, à atteindre cette perfection, effectivement, parce que en elle se trouve donc la vie. Ah, vous direz, mais c'est vrai, frère. Mais oui, il a posé la question, mais nous savons où tu vois, comment venons savoir le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Moi, je ne suis pas la vérité. Non. Lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous le suivons, nous ne serons jamais égarés. Et si nous le suivons et que nous l'avons effectivement, comme on dit, mais dans cela, dans la parole divine du Seigneur, en elle était donc la vie. C'est celle qui transforme la nature de l'homme. Alors, voilà pourquoi nous devons être attachés. Comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, Timothée, mon enfant, Timothée, il suppliait, dit, mon fils, mon enfant, Timothée, mon enfant légitime dans le Seigneur, dit, mais prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non favorable, réprends, même si on t'insulte, même si on te reprise, prêche la parole. C'est ainsi que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que les diables ne combattent que la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je vais m'arrêter. Le Seigneur a dit, effectivement, Père, je te prie pas de l'autre du monde, protège-le du mal, parce que je vais donner ta parole à toi, mais puisque les mondes, ils ont aussi ta parole, le monde les a donc haïs. Donc le fait de recevoir la parole du Seigneur, tout l'enfer. C'est pour ça que oh, les séjours de mort, effectivement, ne prouveront point contre elle. Donc tout l'enfer se dressera pour que nous ne puissions pas arriver à pouvoir écouter. Je termine simplement en lisant ceci, puis nous allons prier. Ah, mon Dieu, rapidement, il dit, ah, il y a un seul corps. Donc, voilà, ici, il y a un seul corps. Et puis, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Ah oui, oui. Et puis, un seul baptême, c'est le seul. Qui est donc au nom du Seigneur et son nom Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous a enseigné. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre facettes de pouvoir baptiser. Parfois les uns, la tête en bas, et puis et ceci. Non, 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 non. Le baptême veut dire l'ensevelissement, c'est-à-dire l'enterrement, si vous voulez. Donc on ensevelit comme ça la personne. Donc on l'ensevelit, et puis la résurrection, c'est ce qui ressort. C'est comme ça que nous baptisons, évidemment, aussi, dans le nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous avons une seule foi. Aïe, 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 aïe. Cette foi-là, c'est les dons que Dieu nous a donnés parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don qui vient de Dieu. Et ces dons-là nous poussent à pouvoir à croire, effectivement, aussi, rien que ce que Dieu a dit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on n'entend pas des mensonges, des âneries, hein. La parole de Dieu. Et quand nous croyons, nous entendons cela, nous nous donnons. Alors le Seigneur, notre Dieu, donc agit. Ah, et puis il nous dit aussi, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, que Dieu te bénisse. Ça, c'est merveilleux. Un seul Dieu. Et puis, il nous dit aussi, dis-moi, qui est donc est Père de tous. C'est normal qu'il soit Père de tous, parce que nous sommes notre Père qui est sur la terre, qui est aux cieux, domine sur tous et dit, qui est au-dessus de tous, c'est comme cela, et parmi tous, donc il vient donc sous la forme d'un homme. Ah ben oui, c'est vrai, il a vécu parmi nous. Ah oui, et c'est écrit, non? C'est écrit dans le livre de Jean au chapitre, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père, s'agit de. Il dit, et en nous, effectivement, il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai. C'est le Seigneur Jésus-Christ, donc sous la forme de l'Esprit. Puisse le Seigneur, notre Dieu, vous bénir chacun de vous et qu'il vous accorde effectivement le soutien et le secours nécessaire. Et pardon, mon précieux frère Zaché, je dois quand même lire l'écriture que tu m'as donnée ici, que je cherchais. Nous étions dans cela, mais c'est comme si je ne voyais pas bien Saint Saint-Lucien que j'ai cité, je l'avais ici devant, mais. Et c'est samedi. Nous prions et puis nous allons lever et prier ensemble.